Je crois que c'est des traces de colle néoprène. Je pense que les mecs ont essayé de recoller ça à la néoprène. Bon, ben, je vais attendre toute l'après-midi, là. Je pense que je reviendrai demain pour que ça sèche bien, pour que l'eau parte. Là, ça m'énerve bien, là, particulièrement. J'ai deux petits bourrelets, là. Vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime?
Si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Renault Master, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle ainsi qu'un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous les épisodes de la thématique Entretenir et réparer soi-même son Renault Master, donc des vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Quant au petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email. Je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, parce que sur la chaîne YouTube, j'aborde plein de thématiques différentes. Bien sûr, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne.